Yahweh bate la mitoko. Yahweh, Yahweh beni sa mitoko. Yahweh, Yahweh bate la mitoko. Vous informer, c'est notre devoir. Messieurs et dames, bienvenue dans cette session d'information. Nous recevons pour vous comme invité du journal, Madame Saint-Ige Tabala, chargée de communication de Canal+. Salut Madame. Salut Claudie. Merci, prenez votre temps et nous reviendrons sur vous. Ouvrons cette session d'information à Matadi, chef-lieu du Congo central. Un fœtus d'environ 8 mois a été retrouvé sous les ponts Citra ce mardi 23 mai 2023. Nous sommes là dans la commune d'Nzanza, un élément de nos confrères de la cellule de presse de la mairie de Matadi. Suivez. La vie humaine est sacrée, cependant certaines personnes la bafouent. À Citra, dans la commune de Nzanza, sous les ponts portant les mêmes noms, un corps sans vie d'un nouveau-né a été retrouvé et abandonné à côté de la rivière. À première vue, cet acte ignoble a été produit après 9 mois de grossesse. Aussitôt informé, le premier citoyen de la ville, Dominique Kodiambété, s'est rendu sur place pour s'enquérir de fait. Ainsi, les mamans trouvées en ces lieux ont désapprouvé cet acte. Accepter toute la souffrance de la grossesse durant 9 mois, ainsi que la douleur d'enfantement, et ensuite décider de jeter l'enfant, c'est la plus grosse erreur qu'une femme peut commettre. Dieu ne pardonnera pas cette femme pour cet acte. Elle ne pourra même plus donner une vie. Cet acte m'a beaucoup attristé. Je conseillerais toutes les filles qui me suivent de ne jamais avorter ou jeter l'enfant. Il faut plutôt se battre, vendre même de l'eau pour élever son enfant. Pour mon cas, je vends des fruits afin de nourrir mon enfant. De son cœur généreux, le maire de la ville a ordonné la levée du corps pour les cimetières des Bocaux 2. Les cercueils, les corbillards ainsi que d'autres frais liés aux obsèques ont été pris en charge. Ce n'est pas tout. Toujours proche de ses administrés, l'autorité urbaine Dominique Kodiambété, accompagné du commandant de la ville, Baudouin Kilima, a pris la direction de la morgue de Kinkanda où était prévue la sortie du corps d'un civique au nom de Mandombe, général d'un groupe de Kuluna appelé Vautour, qui opère leur sale besogne à bon point. Ceci pour assurer l'encadrement de ses obsèques et éviter ainsi les bavures. Au cimetière des Bocaux 2, le maire de la ville de Matadi avait ordonné également l'enterrement d'un monsieur mort survenu par noyade à la rivière Pozo la nuit du lundi 23 mai 2023 à 23h. La présence de l'autorité urbaine était un motif de joie pour sa famille malgré leur tristesse. Revenons sur notre invité du journal, Madame Saint-Ige Tabala, chargée de communication de Canal+, une fois de plus, Sally. Salut. Et quel est le message que vous nous apportez ce soir? Je salue d'abord les téléspectateurs du journal et nous vous informons que si Canal+ est sur ces plateaux, c'est justement pour vous informer sur la grande promo qui commence déjà demain. Demain le 25, donc nous commençons une grande promo que nous dénommons Festival de cadeaux. Et comment se passeront ce festival? Dans ce festival des cadeaux, nous avons deux parties, donc si je peux le dire ainsi. Vous avez d'abord le décodeur qui baisse le prix à 10$ à partir de la formule Access. Une formule qui coûte aussi 10$ et l'installation aujourd'hui c'est à 5$. Donc avec un package de 25$, vous pouvez vous procurer de votre kit complet Canal+. Et là, c'est la première partie. La deuxième partie, nous avons nos abonnés qui sont déjà sur le bouquet Canal. Mais pour se réabonner, vous aussi, vous avez droit à recevoir 15 jours de la formule tout Canal lorsque vous faites votre acte de réabonnement. C'est-à-dire, lorsque vous venez pour payer votre abonnement, vous avez 15 jours de tout Canal.
Et pour clôturer, nous allons clôturer avec la tombola, une coutume que nous avions déjà commencé depuis l'année dernière. Donc cette année aussi, il y aura une tombola que Canal Plus a lancée. Et que faire pour gagner? Pour gagner, c'est simple. Donc la promo commence demain. Donc demain, le 25 mai, nous commençons notre promo et ça va jusqu'au 30 juin. Donc toute personne qui pourra se réabonner à partir de demain déjà est éligible. Donc, il n'y a pas de condition sur la formule d'abonnement ou sur où acheter votre abonnement, non. Vous pouvez vous réabonner via mobile, vous pouvez vous réabonner dans nos points de vente. Donc, toute personne qui se réabonne, à partir de demain déjà, jusqu'au 30 juin, et chaque semaine, il y aura des tirages au sort. Et on va commencer à trier. On aura de gagnants pour chaque région. Donc, entre autres, notre région aussi, il y aura de gagnants de chaque semaine. Et nous avons plusieurs lots à gagner. Merci beaucoup, madame, d'avoir partagé cette information avec nous. Je vous en prie, M. Glody. Merci beaucoup. Poursuivons cette édition du journal, mesdames et messieurs. L'évacuation des produits agricoles devient impossible sur les tronçons routiers qui traversent le plateau de Sekelolo-Insumbi. Cette route sépare des territoires Luozi et Sekebanza et ceci à cause de son état de dégradation très avancé. Plus de détails avec Pacifique Mwanda. Suivez. Nous sommes à la bifurcation de la route nationale numéro 1 et celle de Desset agricole de Manianga à la hauteur du village Vunda Kingolo à quelques mètres de l'entrée principale de la mission catholique Vunda dans les territoires de Sekebanza à plus d'une quarantaine de kilomètres de la ville portuaire de Matadi. Ces tronçons routiers qui va de cette agglomération jusqu'au village Ndomba en passant par les plateaux de Sekelolo et d'Insumbi n'est plus opérationnel depuis plus de 5 ans à cause de son état d'impraticabilité avérée. Malgré plusieurs tentatives d'entretien par le Fonds National d'Entretien Routier, FONER en sigle, cette route d'intérêt capital n'est plus exploitable. Selon les informations recueillies sur place, l'inaccessibilité de cette route a plusieurs retombées sur le plan socio-économique. Mais si Mpou Mansunda, Moloch, habitant du plateau, les confirme. Le plateau de Sumbi est actuellement incapable de nourrir la ville de Matadi comme auparavant à cause de l'état actuel de cette route. Cette agglomération est enclavée. Nous souffrons pour évacuer les marchandises. De là jusqu'ici, les motocyclistes font 3 ou 4 jours en route. On débourse 30 000 francs comme frais de transport sur moto. Par contre, M. Mabungu Mbumba Beros, habitant du village Vunda Kintati, a brossé l'historique de cette route et a lancé un message vibrant aux autorités attitrées pour des solutions idoines. Cette route a été créée depuis l'époque coloniale. À ce jour, elle n'est plus praticable. Nous sollicitons sa réouverture après asphaltage. Pour rappel, ces tronçons routiers relient deux territoires, notamment Sekebanza et Luozi. Quittons la province du Congo central pour nous rendre à Kinshasa, mesdames et messieurs, où le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a déposé l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Suivons les détails avec Pacifique Mwanda. Conduit par son président Denis Kadima, les bureaux de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a déposé l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, 24 heures après la présentation des conclusions de l'audit du fichier électoral réalisé pendant 6 jours par les experts en matière électorale après 4 mois d'enrôlement des électeurs sur toute l'étendue du territoire national. Récit par le patron de l'intérieur, Peter Kazadi Kankonde, dans son cabinet de travail à Kinshasa, Denis Kadima a déposé ses documents à ses membres de l'exécutif national. Nous sommes venus déposer l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges au niveau national, provincial et local. Et c'est cela qui va nous amener droit dans la phase de réception des candidatures et traitement. Donc on a déposé l'avant-projet pour que le vice-premier ministre l'amène au gouvernement qui à son tour va l'acheminer au Parlement afin qu'une loi soit adoptée dans ce sens-là. Nous venons de tourner la page de l'enrôlement des électeurs.
On connaît maintenant le nombre de personnes inscrites sur la liste. Maintenant, la prochaine étape, dès qu'il y a la loi sur la répartition des sièges, nous allons convoquer l'électorat pour la députation nationale. Et plus tard, ça sera pour la députation provinciale et les élections locales. Et enfin, le 1er septembre, ça sera pour les présidents de la République. Nous sommes vraiment dans la logique des réceptions des candidatures. Il y aura après sa campagne et nous allons passer au scrutin. Donc il n'y a plus rien qui puisse nous arrêter. Nous sommes vraiment dans la ligne droite vers les élections. Pour rappel, cet avant-projet de loi a été adopté à l'Assemblée plénière de cette institution d'appui à la démocratie le 21 mai de l'année en cours. Et l'actualité continentale reste marquée par la guerre au Soudan où des généraux s'affrontent en pleine ville. L'aide humanitaire de l'ONU arrive difficilement à cause de l'ampleur des combats. Un élément de nos confrères de France 24. Chaque jour, ils sont des centaines à se presser sur ce pont dans la ville frontalière de Metemma, la porte d'entrée vers l'Éthiopie et la sécurité pour les habitants du Soudan. Depuis le début des combats mi-avril, les violences au Soudan ont jeté sur les routes plus d'un million de personnes selon l'ONU, dont 250 000 qui ont fui vers les pays voisins. Centrafrique, Éthiopie, mais surtout le Soudan du Sud, où 1 500 réfugiés entrent chaque jour. La plupart viennent de la capitale Khartoum et font face à une situation d'urgence, comme l'explique le Haut Commissariat aux réfugiés présent sur place, interrogé sur France 24. Notre priorité, évidemment, ça a été de mettre en place un centre de réception à la frontière, immédiatement à la frontière. Des personnes qui arrivent souvent dans très mauvaises conditions, certaines qui ont marché de Khartoum, d'autres qui étaient blessées à Khartoum, qui arrivent, donc qui ont besoin d'assistance médicale d'urgence. Mais la logistique est telle que malheureusement ce centre de transit est maintenant vraiment complètement surpeuplé. L'Égypte est également un pays d'accueil. Il serait désormais plus de 110 000 Soudanais réfugiés sur place, selon le gouvernement. Des réfugiés qui affluent aussi massivement au Tchad face à la hausse des violences. 90% d'entre eux sont des femmes et des enfants, comme Mariam, originaire du Darfour. La milice Janjaweed a attaqué notre village tôt le matin. Ils ont tué le bétail et incendié des maisons. 62 personnes sont mortes dans cette attaque. Nous avons fui et nous sommes passés au Tchad. L'ONU s'alarme du rythme des arrivées au Tchad, 25 000 réfugiés supplémentaires en seulement 3 jours. Selon les Nations Unies, si le conflit se poursuit, 1 million de Soudanais supplémentaires pourraient fuir vers les pays voisins. Parlons sport dans cette édition du journal. Les rencontres pour la phase aller des demi-finales du championnat provincial semi-direct se sont déroulées ce mardi 23 mai 2023 à Matadi et à Mwanda. Celle IRSS a remporté le premier 90 minutes du choc. Celui qui opposait Amical Airbus et ASVB et s'est terminé sur un score nil. Les détails avec Rivantia la suivez. Chaque équipe a eu sa mi-temps pour inscrire un but au stade d'Amar de Matadi. C'est arrivé très tôt dans la partie, à la 7e minute pour l'ASVB, par l'entremise de Mawon Somayala qui a hérité d'un ballon mal dégagé par la défense du Sporting Club Amical Airbus. 1-0, c'est le score qui a envoyé les deux formations à la pause. À la reprise, les locaux ont multiplié les incursions dans le camp des visiteurs pour revenir à égalité. Chose faite au bout de 20 minutes, soit à la 65e, obtenue sur penalty consécutif à une faute de main dans le grand rectangle, ensuite transformé par Claudel Lukumina. Le score nul s'avère être un résultat pas souhaité par Amical avant l'opposition face à VB, mais n'empêche que le club de Matadi garde intact l'espoir d'arracher la qualification à l'issue de la double confrontation. La réussite qu'ils ont eue en inscrivant un but chez nous peut aussi nous servir pour faire autant chez eux. Nous avons l'ambition de jouer la finale cette année. Côté ASVB, il faudra apporter quelques réajustements au match retour pour faire mieux qu'à Matadi, l'objectif étant d'atteindre la finale pour la 2e édition consécutive du championnat provincial semi-direct. Au retour, nous allons tout faire pour rectifier les choses, histoire de marquer beaucoup de buts. Mes joueurs peuvent les faire.
Le 1-1 a sanctionné le choc dans la ville portuaire, tandis que la courte victoire de 1-0 dans la cité côtière a départagé le tout capable URSS de Mwanda qui recevait au stade Salongo l'AS Inga Sport. Les deux entraîneurs ont tout de suite, après la fin du match, analysé la prestation de leur poulain et ont projeté l'acte 2. L'intensité était vraiment au rendez-vous dans cette partie. Au retour, nous mettrons en place une tactique qui va nous permettre de passer en finale. On va rentrer toujours au chantier pour préparer notre prochain match du monde. On est en train de se préparer toujours en conséquence. Si c'était deux, vraiment ça a été déjà un peu dur. Mais comme c'est un, bon, on se prépare toujours en conséquence. Dimanche 28 mai prochain, les quatre clubs seront à nouveau face à face pour la manche retour. ASVB contre Amical à Kazangulo au stade Diogas, AS Inga Sport à la maison face au TC URSS. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note sportive que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.